C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Lola Alifa Legrand et Yann Lebec, qui ont publié en début d'année L'Ami aux éditions Dupuis dans la collection Les Ondes Marcinelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, c'est une première bande dessinée pour tous les deux, L'Ami, l'histoire de Tommy, un ado qui ne fait pas grand chose a priori de sa vie à part se branler devant des vidéos porno. En tout cas, c'est sur cette image que commence la bande dessinée. Tommy, dont la vie va être bousculée par sa rencontre avec Félix. On va bien évidemment parler dans le détail de cette bande dessinée, de ses personnages. Cette bande dessinée qui est très réussie, très juste, qui ne cherche pas à être aimable, et c'est ce qui fait sa force, et on en parlera. Avant cela, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur l'origine de ce livre. Lola, vous êtes graphiste, autrice et réalisatrice. Yann, vous êtes graphiste et illustrateur. Vous vous êtes rencontrés, vous me corrigez si je me trompe, à Londres, lors de vos études. Qu'est-ce qui vous a fait, quelques années plus tard, vous lancer dans la réalisation de cette bande dessinée ? Disons qu'on a toujours eu un dialogue depuis notre rencontre sur le cinéma, sur la littérature, d'ailleurs davantage que la bande dessinée. Et on avait commencé à faire un petit projet de courtes, très courtes nouvelles en face à face avec des illustrations. Enfin, des illustrations, c'était pas du coup des illustrations. En fait, on avait cherché, ça faisait 3-4 ans, je pense qu'on cherchait une manière de travailler sur un projet en binôme. Et on a tâtonné, et au fur et à mesure, on est arrivé à le désir de faire une bande dessinée ensemble. Et donc, il y a eu aussi une petite bande dessinée, mais de quelques pages qu'on a auto-publiée à un moment donné. Enfin, il y a eu plusieurs formes comme ça, ça a évolué. Et disons qu'à ce moment-là, maintenant je ne sais pas si c'est encore vrai, mais on avait des désirs qui se rejoignaient sur un type d'histoire, sur des personnages. Et donc voilà, donc c'est arrivé assez naturellement finalement, mais quand même en tâtonnant par rapport au médium vraiment que ça allait être. Moi, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais c'est vrai que j'ai jamais provoqué l'occasion, et c'est vrai que ça s'est fait un peu petit à petit avec Lola. On n'était pas tout de suite parti pour un projet de bande dessinée, parce qu'entre autres, moi, je me sentais pas forcément capable de me lancer là-dedans à la base. Voilà. Et pourtant, combien de pages elle fait, cette première bande dessinée ? Ouais, elle fait 250 pages, mais c'est vrai que c'est venu au fur et à mesure. Quoi. Et qu'est-ce qui est resté, justement, de vos premiers échanges dans, finalement, cette histoire ? Quand vous disiez que vous vous rejoigniez sur des envies communes, est-ce que l'adolescence était une de ces envies ? Est-ce que c'était plutôt un ton que vous aviez en tête ? Voilà, sur quoi est-ce que vous êtes rejoint et comment est-ce que vous êtes parti sur cette histoire de Tommy ? Alors, je reprendrai peut-être ce que je peux te tutoyer. Bien sûr. Ce que tu as dit au début, une histoire qui ne fasse pas forcément plaisir dans le ton. J'ai dit aimable, et je peux m'expliquer là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que moi j'ai adoré, et je me suis dit que vous avez osé être dans une histoire où d'un seul coup on est dans une représentation très juste d'une adolescence, de voir des fois ces gros plans de visage de gens qui sont en train de jouir, de souffrir, de sortir des insultes. Il y a quelque chose qui peut paraître a priori quelque chose qui peut heurter, entre guillemets, et que moi j'ai eu le sentiment que vous étiez dans une recherche d'être au plus juste sans forcément vous soucier de rendre des personnages attachants, même si au final on s'attache à certains, et que moi je trouvais que c'était très puissant parce que j'avais le sentiment de rarement ressentir cette idée de se dire on est encore une fois au plus près de la justesse d'une situation, d'une époque, d'un moment de la vie, d'un lieu, et qui a priori n'est pas forcément aimable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aimer, et moi je l'ai adoré, mais c'est ce truc-là d'y aller.
Et je pense que c'est un peu, si tu me corriges, hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que cette figure un peu du anti-héros qu'on finit par aimer, c'était une des choses qui nous rejoignait, je pense, au début du projet. Après l'adolescence, moi je sais que j'en avais très envie, je sais pas si t'en avais autant envie. Non, je pense que l'adolescence c'est plus Lola qui avait envie de traiter de ça à la base. Après ça m'allait aussi, mais c'était moins mon envie de base. Moi j'avais plus envie de parler de la campagne, je dirais, à la base. Enfin, c'est plus le décor, on va dire, le lieu qui m'intéressait. Aussi, quelque chose qui nous rejoignait, c'est un sentiment de solitude et de... Bah, comment parler de la solitude ? Pas forcément de la solitude adolescente, mais j'ai l'impression que c'est aussi parmi toutes les discussions qu'on a eues au début, et ce qui peut aussi rejoindre ces petites histoires dont je parlais avant, c'était toujours le point de vue d'un espèce d'anti-héros assez solitaire et qui avait des problèmes de communication et un rapport au monde un peu... Ce qui est un bon résumé de l'adolescence, je sais pas. Exactement, et on en reparlera, mais il y a aussi quelque chose, je trouve, de très réussi dans l'album, c'est justement à la fois toutes ces séquences où on a les personnages et l'idée de réussir à faire passer cette idée du temps, justement, qui passe avec les décors qui sont extrêmement importants dans le livre, on y reviendra, mais j'aimerais juste rester un instant sur cette idée de l'adolescence et de la solitude et cette idée de l'univers qui n'est pas une vie dans une grande ville. En amont de cet entretien, un entretien a été réalisé très court avec vous pour le site de la BPI, Balise, où vous citiez quelques références, et ça me fait penser à ce roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui quelque part rejoint cette question à la fois de l'adolescence, mais aussi cet univers. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, une fois que vous vous êtes accordé, en tout cas que vous avez commencé à réfléchir à cette histoire, aux titres, aux œuvres, pas forcément des livres, mais qui ont pu être des références, et est-ce que, justement, ce titre, notamment de Nicolas Mathieu, a été, en tout cas, une œuvre importante pour vous, qui entre en résonance, finalement, avec l'ami ? Totalement. Mais en fait, on l'a lu tous les deux. On avait déjà commencé à travailler dessus. Donc, on avait l'idée, tout ça. Mais Et c'est arrivé en cours, en fait. C'est arrivé un peu après. Enfin, après la mise en route de l'histoire. Du coup, ça nous a... J'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui nous a le plus inspiré. Mais en même temps, c'était peut-être plus une... Enfin... je sais pas dans quelle mesure ça nous a inspiré, mais... Ça nous a peut-être confirmé, en tout cas, qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Mais je pense qu'en référence commune, à la base, on avait plus la vie de Jésus de Bruno Dumont, le film. Je pense que c'est une des choses dont on a parlé assez vite, non ? Ouais, il y avait ça. Et il y avait aussi, au tout début, je sais qu'on avait quand même parlé de Teen Movies. Après, c'était peut-être plus de mon côté. Mais il y avait quand même l'idée de... Parce que, à la base... Genre la vie de Jésus, quoi. C'est un teen movie aussi, d'une certaine manière. Mais en fait, il y avait une bande, tu te souviens, Au début de l'histoire. Et puis, il y a aussi ce livre que tu m'avais prêté, qui s'appelle Show. Comment il s'appelle ? Tu sais, le livre japonais. Ah oui, un livre qui s'appelle Seventeen, de Oe, Kenzaburo Oe. En tout cas, moi, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait un peu marqué, que j'avais lu à ce moment-là. Et qui était vraiment une bonne description de l'adolescence un peu extrême, avec quelqu'un qui a des pulsions sexuelles, mais aussi des pulsions un peu violentes, et qui est complètement enfermé en lui-même. Voilà. Et ça, c'est arrivé au début. Ça, c'était plutôt au début, ouais. Et Lola, tu citais aussi Sous le règne de Bonne, de Russell Banks. Ouais, alors ça, c'est plus une référence, parce qu'après, c'est vrai que c'est ça qui est agréable de travailler à deux, je trouve, c'est que... Il y a les références qu'on se partage, et puis il y a aussi des choses... En fait, j'y ai pensé après coup. C'est quelque chose qui m'a... Enfin, un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescente. Et du coup, je pense que ça a vraiment imprégné. On n'est pas tout le temps conscient de ce qui s'imprime en nous. Et c'est vrai qu'en répondant aux questions sur les ouvrages qui m'ont inspiré, tout d'un coup, ça m'est paru évident. Et c'est la dérive adolescente, c'est une espèce de violence aussi... quelque chose de très cru dans le langage, le vocabulaire, les expériences qui sont vécues. Puis il y a un rejet des adultes, du monde des adultes, une incompréhension.
Et justement, est-ce que vous pouvez revenir, parce que vous disiez finalement que Leurs enfants après eux, c'est arrivé en cours de réalisation de l'album, de ce moment où vous avez trouvé justement ce qui allait vous réunir pour ce projet-là, et comment est-ce que vous avez travaillé autour de cette histoire, puisque tout à l'heure tu évoquais, Lola, le fait que vous avez à un moment donné travaillé en faisant des images qui répondaient à de courtes histoires, enfin de courts textes. Est-ce que vous avez fonctionné comme ça aussi pour la bande dessinée, c'est-à-dire que est-ce que vous avez avancé aussi dans cette sorte de ping-pong, ou est-ce que voilà, une fois que vous vous êtes accordé sur le fait que si c'était ça le point de départ, que vous alliez parler de l'adolescence, que il allait y avoir cette question de la solitude, de l'ennui aussi, de ce temps qui passe, et voilà que le scénario a finalement avancé dans sa description, et ensuite Yann, tu t'en es emparé, ou comment est-ce que vous avez très concrètement avancé cette histoire justement pour réussir, et on va y revenir sur la réalisation graphique, à cet équilibre que je trouve assez fort de ces temps de violence, ces temps où il se passe rien, et de comment est-ce qu'on avance dans un récit où finalement c'est une tranche de vie. Eh ben, je dirais que moi, quand je repense à la manière dont on a travaillé, c'est vraiment un travail de multiples réécritures. C'est comme si on avait 100... Et j'ai l'impression que j'ai plus vécu ça pour ce projet que pour tous les autres projets que j'ai faits avec d'autres personnes toutes seules. Mais j'ai l'impression qu'on était sans cesse en train d'essayer de retraduire nos désirs et une potentielle histoire. Et parfois en faisant du ping-pong, et parfois en s'en emparant plus l'un ou l'autre. Enfin, plus moi, j'ai l'impression au début, et après plus Yann, quand il a fallu que tu mettes vraiment, que tu donnes forme au projet. Et donc voilà, parce qu'en fait, à la base, c'était une nouvelle. En fait, c'est parti d'un petit synopsis qu'ensuite on a élaboré en ping-pong, parce que c'est Yann qui est arrivé avec ce petit synopsis, et donc on a dialogué dessus, et ensuite je l'ai transformé en nouvelle, et ensuite on a refait du ping-pong sur cette nouvelle, ensuite c'est redevenu un traitement, donc plus quelque chose de avec une écriture plus factuelle et plus déjà un travail préparatoire pour un découpage, quoi. Et ensuite il y a eu le découpage. Ensuite, il y a eu le dialogue, storyboard. Et donc, oui, il y a eu vraiment comme ça, ça a monté comme ça au fur et à mesure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un autre truc, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Et comment est-ce que... Ouais, Yann, tu voulais... Ouais, en fait, je pense que l'idée de base, on l'avait dès le début. Il y a une seule chose qui a vraiment changé, c'est qu'à la base, il y avait une bande de garçons, puis à la fin, il n'y en avait plus que deux. Mais dans ce qui, enfin, on va dire, si on devait faire un résumé en cinq lignes, il était là dès le début. Après, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de développement, etc. Et c'est plus, au début, donc c'était une nouvelle, et c'est devenu parce que j'avais fait quelques dessins, et c'est devenu comme une proto bande dessinée avec un récitatif qui était du coup très, qui était extrêmement présent. Et c'est quand on a rencontré l'éditeur Thomas Gabizon qu'il nous a dit, il était, on va dire, semi-intéressé. Il était intéressé, en même temps il nous disait, c'est pas vraiment de la bande dessinée. Et ça nous a fait réfléchir un peu à tout ça. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment repensé le projet en faisant vraiment une bande dessinée avec des vraies scènes, des dialogues. Enfin, tout ne reposait pas. Enfin, on s'est privé du récitatif, on l'a enlevé et on a essayé de servir de la mise en scène, des dialogues, des scènes pour raconter l'histoire. La manière en fait dont le projet a pris forme, je pense que c'est aussi parce que ni l'un ni l'autre, on n'avait jamais fait de BD. Du coup, c'était très empirique et très, j'imagine, au début peut-être un peu. On était plein d'illusions, on envisageait le fait de faire une BD de manière un petit peu naïve, je pense. Et donc au fur et à mesure, on a compris, comme si on voulait construire une maison en mettant trois planches et pas utiliser de clous. Et puis au fur et à mesure... Et en commençant par les fenêtres. On s'est rendu compte qu'il fallait des clous, des marteaux, des mortiers. Bref.
Et je voulais répondre à une autre partie de ta question sur le temps, en fait. Après, je pense que c'est aussi peut-être un truc qui nous reliait avant. C'est que moi, ce que j'adorais et que j'adore dans le travail de Yann, c'est que... Alors, pas dans la BD, enfin ça se retraduit dans la BD, mais c'est quand à la base quand tu faisais des images qui n'étaient pas des narrations, il y avait déjà une temporalité super forte, enfin c'était déjà très puissant au niveau de la temporalité, comme c'était des images de films quoi, des images des screenshots de films, et du coup j'avais l'impression que c'était déjà un peu là en puissance ce truc de dilater le temps ou de le raccourcir et qu'en fait, je pense que c'était déjà quelque chose, moi, qui m'attirait, en tout cas, en tant que scénariste ou en tant que personne qui a envie de raconter des histoires. Enfin, je trouvais ça très inspirant et je pense que ça se ressent, mais tu as traduit ça d'une autre manière dans la bande dessinée, quoi, dans cette bande dessinée. Yann, tu évoquais les premières images. Vous disiez au début c'était un groupe. Finalement, on a ces deux personnages principaux, donc Tommy et puis Félix qu'il va rencontrer. Félix qui est un casse-cou, un frimeur, qui va l'entraîner dans des aventures où on a peur pour lui, clairement. C'est des moments qui peuvent être des moments de bascule. Vous allez nous décrire avec vos mots ce personnage peut-être, mais par rapport à leur physique, quand tu évoquais ces premières images, est-ce que tu l'as rapidement eu, notamment Tommy, ce personnage principal, comment est-ce qu'il est venu, et à partir peut-être, tout à l'heure on parlait des influences, est-ce qu'il y avait des influences graphiques dès le départ dans la réflexion autour de cette histoire, on est dans un récit en noir et blanc, est-ce que tu avais en tête des univers où tu te disais que pour cette histoire en particulier, c'était parlant, et voilà, et comment est-ce que tu as trouvé, parce que c'est important, on a dit 250 pages, il faut les aimer ces personnages, il faut avoir envie de les dessiner sur 250 pages. Comment est-ce que tu as trouvé votre personnage principal? En fait, ce qui est venu très vite, c'est sa coupe de cheveux, qui est un peu une coupe de, je sais pas, d'amateur de joueur de foot. Et ça permettait de le reconnaître en fait, assez facilement. Son visage, il a un peu changé, je crois qu'il était un peu plus moche au début, puis finalement, voilà. Un peu de tête de gland aussi. Ouais, voilà, complètement, ouais. Bah, la coupe de cheveux, ça, il a un côté de tête de gland, effectivement. Tout simplement, lui, c'est plus il a un côté un peu malingre, mais aussi des postures physiques, quoi, voilà. L'autre personnage... Son visage est venu assez vite, mais après, j'ai dû plus réfléchir, notamment on en a parlé avec Lola, à le différencier par ses postures physiques, quoi. Montrer comment il doit... Comme c'est un personnage... En fait, c'est la rencontre d'un introverti et d'un extraverti, quoi. Et comment il occupe plus l'espace, physiquement aussi, quoi. Voilà. Ouais, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a fait des recherches sur... Mais je me souviens plus exactement des films, mais je me demande s'il n'y avait pas des films de Bruno Dumont d'ailleurs, des recherches de personnages comme ça qui occupaient vraiment l'espace de manière assez virile, comment ils devaient se tenir, et c'était intéressant, mais c'est vrai que c'était après coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose effectivement d'extrêmement réussi dans la bande dessinée, tout est extrêmement vivant et c'est ce qui fait que justement sur ces alternances à la fois de paysages où encore une fois je reviens sur ce temps qui passe, mais vraiment il y a quelque chose dans les paysages qui sont extrêmement beaux et en même temps l'arrivée de ces corps dans ces décors qui sont effectivement jamais figés, toujours dans une pulsion et toujours dans quelque chose d'extrêmement vivant. Merci. Et pour en revenir à ta question tout à l'heure par rapport aux influences, tout ça, en fait, c'est toujours un peu difficile de parler de ces influences dans la mesure où j'ai vraiment été biberonné à la bande dessinée. Et au bout d'un moment, cette manière de dessiner, c'est comme ça que je dessine en ce moment. Enfin, en tout cas, après, le dessin, ça évolue, donc dans 15 ans, ce sera sans doute un peu différent. Mais je pense qu'on peut le rapprocher d'auteurs américains, par exemple,
mais bah, comme Charles Burns ou Daniel Klaus, Daniel Klaus et tout ça. Mais en même temps, même si je les adore, je pense plus à eux d'abord en termes de narration, comment ils racontent les histoires. C'est beaucoup plus sur le découpage, sur le rythme, sur qui va être différent d'un rythme. Qui va être différent d'un rythme franco-belge. Mais j'ai aussi lu pas mal de mangas. Enfin, j'en ai toujours lu beaucoup, mais j'en ai relu au moment où je le faisais. Et je pense que ça a aussi une espèce de dilution du temps. Et pour le personnage de Félix, il y a eu un avant et un après, je me souviens. Il y a un été où tu as lu plein de mangas, et tout d'un coup, il a changé. Son visage est devenu vachement plus carré. Et il était. Et j'avais l'impression, moi, qu'il était sorti d'un manga d'un coup. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Non, à part quelques expressions, oui, avec des grimaces un peu outrancières. Non, à part ça, je pense que le personnage, il sort plus de comment le différencier, en fait. Voilà, comment le faire une mâchoire un peu plus carrée. Parce qu'à la base, ils ont quand même des. En soi, ils ressemblent un peu. Donc, il fallait les différencier par certains éléments et qui lui correspondaient plus à lui. Mais justement, on arrive, je fais une parenthèse, mais c'est vrai qu'on arrive, je trouve, à un moment dans la bande dessinée qui est extrêmement intéressant, qui est qu'on est avec des autrices, des auteurs qui ont grandi avec des influences multiples, et il y a quelque chose effectivement de l'ordre d'une digestion de toutes ces influences, et qui d'un seul coup, dans une bande dessinée, se retrouve mêlée, où il peut y avoir du franco-belge, du manga, du comics, de la bande dessinée indépendante américaine, et quelque chose qui est de l'ordre d'une bande dessinée mondialisée, quelque part, mais dans le sens le meilleur du terme, et qui effectivement montre que on grandit avec ce qu'on lit, et forcément aujourd'hui les autrices et les auteurs qui créent ont des influences multiples. Totalement, et je pense que c'est vrai que c'est le cas de toute une génération, et c'est assez génial. Et je pensais par contre aussi au moment où je faisais l'ancrage à un auteur qui est complètement un peu passé de mode, mais JG, que je lisais à la bibliothèque quand j'étais enfant, et même si les histoires, c'est difficile de lire une espèce de morale boy scout chrétienne des années 40-50 aujourd'hui, mais en même temps graphiquement il y a vraiment quelque chose d'assez formidable, notamment son utilisation du noir et blanc, du contraste, du clair-obscur, voilà, qui sont très fortes. On parlait de la différence entre ces deux personnages, un introverti et un extraverti. Comment est-ce que vous décririez Félix ? Moi, j'ai donné juste quelques mots pour le décrire. Et comment est-ce que vous avez justement réfléchi leur relation, sans forcément dire tout ce qui va se passer dans la bande dessinée, mais justement pour parler à la fois de cette solitude, de l'impact que ça a une rencontre avec quelqu'un qui d'un seul coup aimante un peu, les moments dans la vie où on est à deux doigts de faire quelque chose, ou en tout cas de faire quelque chose qui aura un impact sur toute la vie. Comment est-ce que vous avez pensé cette relation, et comment est-ce que vous décririez ce personnage ? Je pense qu'on avait envie de parler de... l'adolescence, c'est aussi un moment où on se met en danger, et peut-être que tout ce qu'on n'arrive pas à faire soi-même, s'il y a quelqu'un à côté qui le personnifie, c'est pratique, et ça permet de, sans trop s'en apercevoir, de s'autoriser tout un champ des possibles beaucoup plus large. Donc je pense que le personnage de Félix, on l'a vraiment pensé comme ça, et en s'inspirant de personnes qu'on avait rencontrées. Et aussi, c'est un espèce de faux miroir. Et c'est vrai que moi, j'avais très envie qu'il y ait aussi ce truc de l'adolescence où il y a des amitiés comme ça très fusionnelles, mais peut-être un peu comme des comètes, quoi, très passagères, où l'amour et l'amitié sont très flous. Et donc, on ne sait plus trop ce qu'on ressent, on ne sait plus trop qui est... Si moi je suis moi, si toi tu es toi, ou si moi je suis toi, ou... Et est-ce que c'est du désir, est-ce que c'est de l'admiration, est-ce que c'est désir d'être l'autre, de parler un peu de tout ce marasme un peu identitaire qui se passe quand on rencontre quelqu'un comme ça qui nous bouleverse. Moi, en fait. Notre attention
fonctionnement de la bibliothèque, nous vous rappelons que tout document consulté Ouais, je pense que c'est. Enfin, on en a discuté comme un personnage qui n'aurait pas vraiment de surmoi. Il n'y a pas vraiment quelqu'un sur son épaule qui lui dit arrête de faire ça. Et aussi quelqu'un qui a toujours besoin d'un public en permanence, quoi. Et qui se sert de son ami comme d'un public, un peu, quoi. Voilà. Et aussi, on avait parlé de. Il y a un comportement chez les adolescents, j'ai oublié ce... Ah oui, quelque chose comme, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais quelque chose comme une... je crois que c'est lié à l'ordalie. Au Moyen-Âge, quand ils faisaient des jugements de Dieu et que, mettons... enfin, en gros, voilà, un comportement où on parie un peu sur le destin, où on se dit je vais faire ça, et en fait, en prenant un risque avec sa vie, comme je sais pas, sauter d'une falaise, et je me perds un peu, mais voilà, que ce soit un comportement impulsif, ouais, voilà, ouais, un peu comme un jouer un peu son destin. Ouais. Mais vraiment en prenant des risques, quoi, physiques. Ouais. Ouais. Et il y a aussi un truc qu'on avait travaillé sur la bande, et il en reste des traces, c'est qu'on avait travaillé, réfléchi au rapport qu'ils avaient tous avec leurs parents. Et c'est vrai que Félix, bah, on a décidé aussi qu'il avait un rapport un peu border avec ses parents. Enfin, on voit des traces de ça, on devine un peu ça. Et que c'était très différent avec... l'environnement familial de Tommy. Du coup, c'était un petit peu aussi ça. Où sa mère est très importante, on la voit, c'est un des personnages qu'on voit le plus, puisque finalement, on voit surtout Tommy, Félix, la mère de Tommy et Océane. On va en parler dans quelques instants. Et justement, il y a quelque chose, et quand je reviens à ce que je disais sur cette justesse, il y a quelque chose dans les scènes justement avec sa mère où c'est des scènes assez fugaces. Justement, ils sont dans la même pièce, ils se comprennent pas, ils se parlent pas. De temps en temps, on aurait presque envie de lui dire non, mais quand même. Et il y a cette incapacité en fait à communiquer, et malgré tout, des choses qui passe. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi, cette relation? J'imagine, justement, comme c'est une bande dessinée où, il y a peu de grands discours. On est dans quelque chose de l'ordre de l'impulsivité quand ils sont tous les deux. Il y a des insultes aussi, notamment, on aura peut-être le temps d'en parler, avec ce personnage et son suite du Paris Saint-Germain et son chien, où il y a une scène notamment où ils s'insultent tous les uns les autres en se traitant mutuellement de PD, voilà, puisqu'il y a aussi ce rapport à la virilité. Et quand tout à l'heure tu évoquais cette question de est-ce que c'est de l'admiration, est-ce que c'est du désir, c'est quelque chose qui est présent et qui est, comme tout, traité avec beaucoup de finesse, parce qu'il n'y a pas de réponse à porter en réalité. Chacun projette ce qu'il a envie de projeter. Et je m'éloigne complètement de ce que j'avais commencé à dire, mais comment est-ce que vous avez pensé justement cette relation avec la mère, et en quoi est-ce que pour vous elle était importante pour que les lectrices et les lecteurs comprennent aussi une partie du personnage de Tommy? Bah, disons que c'est vraiment un élément de blocage et d'étouffement chez Tommy. D'ailleurs, c'est marrant parce que je ne sais pas si on avait... Je ne veux pas te traiter de grossophobe, mais je ne sais pas si on avait décidé qu'elle allait être grosse ou si c'est toi qui... Non, je crois que ça venait de Lola à la base. Non, pour le vrai. Elle avait écrit sur les scénarios « La mère est grosse ». Ouais, non, je crois que ça venait vraiment de toi. Ouais. Bon, en tout cas, il y avait un truc, je pense, visuellement aussi, il fallait qu'elle soit un peu trop, quoi, qu'elle soit... qu'elle soit étouffante et qu'il soit dans cette maison tout seul avec elle, et qu'il y ait vraiment une impasse dans la communication, et bah, qu'elle lui bloque. Il y a vraiment des trucs aussi, ils ont des confrontations physiques assez nombreuses où il y a une agressivité, quoi, qui se retraduit vraiment physiquement.
Et voilà. Et qui se niche parfois dans Trois fois rien. Je pense à cette scène où ils sortent du supermarché, où il commence à pleuvoir. D'un seul coup, il y a les courses qui tombent. Il y a les patates, elles commencent à les ramasser. Et on sent la gêne de cet ado qui voit sa mère en train de se pencher pour ramasser des patates et qui lui gueule un peu dessus, dans mon souvenir. Et on ressent ce... Alors qu'on ait vécu ou pas cette scène sous la pluie, pas du tout, mais ces moments de l'adolescence où on est gêné aussi par... par ce que représentent les parents. Oui, mais c'est un âge où on a quand même souvent honte de nos parents. Mais ouais, il y avait... Bon, au final, je pense que c'est le personnage le plus attachant du livre. Et, moi, c'est celui que je préfère, personnellement. Ouais, moi aussi. Et puis, et qu'on a développé vraiment petit à petit, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on y pensait moins au départ. Et puis finalement, elle a pris de plus en plus de place. Et... mais c'est vrai que ouais, il y a quelque chose physiquement ça m'intéressait aussi, ça m'intéressait de la dessiner, de dessiner aussi parfois son désir, sa solitude, tout un tas de choses qui sont c'est pas que la communication ou l'absence de communication avec son fils, dans le sens où on la voit aussi seule, on la voit à l'extérieur aussi un petit peu. Et Mais en même temps, oui, même physiquement, elle est belle aussi, d'une certaine manière. Moi, je trouve qu'elle est belle. Ouais, c'est vrai que elle a pris de plus en plus de place, au fur et à mesure. Et puisque j'évoquais Océane, un mot, et là, tout à l'heure, on parlait de la narration, des cadrages aussi. Il y a quelque chose qui est... je vais arrêter de dire que tout est très réussi, on comprend que je le dis quand je décris l'album, mais il y a ces moments où on est dans les yeux de Tommy, c'est-à-dire ce moment où il regarde les filles à la piscine, où il regarde les filles en train de se nouer les cheveux. Il y a quelque chose qui est très puissant dans cette retranscription du regard de l'adolescent, sachant qu'on n'est pas dans une vue subjective, c'est-à-dire dans ces cases-là, oui, mais dans l'album, on est dans une bande dessinée où Tommy prend la place au milieu des cases. Comment est-ce que tu as travaillé, Yann, justement, cette alternance, quelque part, de regard, parce que parfois, c'est le lecteur, enfin, c'est toujours le lecteur, mais c'est presque l'auteur qui regarde ses personnages, et parfois, c'est directement le regard de Tommy. J'imagine qu'il fallait un équilibre, que ce ne soit pas, justement, gratuit, et qu'on ressente bien que toutes ces scènes, ces cases transpirent du désir de Tommy. Oui, totalement. Ouais. En fait, c'est souvent, ça part d'abord de son regard, et puis et au final, ça finit par échapper à son regard, et on finit par voir le vrai personnage par moment, quoi. Et puis on le voit aussi lui beaucoup dessiner. On voit, puis il fait des dessins. Il dessine plutôt pas mal les scènes de sexe. Oui, ouais. Donc ouais, son dessin c'est aussi du désir, quoi, finalement. Et le dessin c'est aussi du regard. Ouais, donc c'est vrai que ce personnage-là d'Océane, elle a d'abord un côté fantasmé parce qu'elle est vraiment vue par lui. Mais on avait envie de la faire sortir de ça par moment, voilà. Même si ça reste un personnage secondaire, c'est pas le personnage le plus important. Mais voilà, on avait aussi envie qu'elle ait ça. C'est vrai qu'elle est au début. Je pense qu'on avait très envie de raconter ce fantasme adolescent, le fait de regarder quelqu'un dans la classe. Enfin, c'est des trucs qu'on a tous vécu et qui ça crée des images très fortes. Enfin, même moi, j'ai des images très fortes de ça. Moi aussi, je vois. Et après, au fur et à mesure, en fait, elle est devenue vivante, quoi. Et elle s'est incarnée. Et on a voulu qu'elle parle, qu'elle prenne un peu de. Qu'elle devienne un vrai personnage, quoi. Et il y a eu ce mouvement-là chez nous aussi, quoi, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est des moments qui sont aussi vus comme des moments un petit peu de grâce, quand même, malgré tout. Voilà. Ouais, complètement. Mais moi, je me suis posé la question parce que, pas uniquement avec le regard de lectrice lambda, et en me disant comment est-ce qu'ils arrivent à trouver cet équilibre, que ce soit pas justement... perçu comme quelque chose de gratuit. Et jamais, quand il y a une scène où il y a plein pot le cul d'une fille, on le prend comme quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que vous réussissez en
quelques pages, les premières pages, nous mettre immédiatement dans le regard de Tommy et faire en sorte que tout ce qu'on voit après, on le prend comme faisant partie de son environnement sans jamais se poser la question de, ouais, encore une fois, de la gratuité ou pas. Et en tant que lectrice ou lecteur, on ne se pose pas du tout ces questions-là. Moi, je me la pose parce que je le regarde avec un regard un peu différent, mais je me suis dit que vous aviez vraiment réussi à trouver un équilibre dans quelque chose de casse-gueule, en fait, et que... qu'il y avait quelque chose d'évident dans la façon dont vous le racontiez. Mais c'est vrai que c'est potentiellement casse-gueule, mais qu'on avait vraiment en tête que c'est toujours son regard. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Je dirais que généralement, c'est un regardeur. Quoi. C'est quelqu'un qui est un peu passif et qui passe beaucoup de temps à observer. C'est vraiment à la base du projet. C'est une sorte de voyeur, mais au sens voyeur adolescent. Du coup, ça fait partie, je pense, de l'essence du projet, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que ça ne paraît pas gratuit, j'imagine. Et c'est comme ça que vous avez réfléchi la couverture, parce que d'un seul coup, vous me dites ça et j'ai la bande dessinée devant les yeux, et c'est comme si on était derrière lui à regarder dans la même direction que lui, et en même temps, c'est lui qui nous regarde. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais après, j'avais fait d'autres essais de couverture, mais on a choisi celle-là direct, qui était la première. Et ouais, c'est vraiment un jeu de regard. Mais bon, voilà, quelqu'un le regarde dans le dos, quoi. Et lui, regarde. On ne sait pas si c'est lui l'ami ou si c'est la personne qui le regarde. Donc il y a un double jeu. Complètement. Et vous disiez tout à l'heure, c'est au moment où vous avez rencontré Thomas Gabizon, votre éditeur, que vous avez transformé la façon de raconter cette histoire. Comment est-ce qu'ensuite vous avez travaillé tous ensemble ? C'est pas rien, un livre de 250 pages, de se lancer dans cette aventure-là. Est-ce que tu savais, en te lançant une fois que vous aviez cadré les choses, que tu te lançais dans un récit de cette ampleur ? Comment est-ce que, à la fois Thomas, mais aussi l'un l'autre, vous avez justement transformé ce récit pour qu'il devienne celui qu'il est aujourd'hui ? Est-ce qu'il a fallu beaucoup justement d'aller-retour, encore une fois, avec Thomas ? Comment est-ce que vous avez avancé ? À la base, bon, c'est plus faire une histoire de 100 pages, voilà. Et ce qui me paraissait déjà énorme, donc c'est plutôt raté. Mais avec Thomas, Thomas, j'ai l'impression qu'il a plutôt tendance à rajouter en général, plutôt que de trancher, ce que font souvent les éditeurs, c'est très bien aussi, mais lui, il a plutôt tendance à vouloir développer des scènes, etc., plutôt qu'à retirer. Ouais, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on était novice. Du coup, moi, on avait le traitement et tout, et puis Yann m'a commencé le storyboard, enfin, produisait les dessins, et en fait, les scènes s'étendaient, et du coup, ça prenait des proportions assez grandes. Mais je pense que c'est aussi maintenant, là, pour la BD que tu es en train de faire, j'imagine que tu as plus une idée de la temporalité que tu veux donner à chaque scène, alors que là, c'était plus un truc de feeling, quoi. Enfin, c'est de découverte, on va dire. Ouais, puis j'avais aussi très envie, à ce moment-là, de faire un récit où le temps s'étire. Voilà. Et du coup, ça prend forcément beaucoup plus de place, quoi. Et justement... parce qu'on n'a pas parlé dans le détail, mais j'aimerais que tu reviennes sur l'importance des décors, l'importance de voir à plusieurs moments, ils montent en haut d'une colline où il y a plein de détritus, où ils montent dessus et elle, Océane, voit où elle habite, lui, il ne voit pas parce qu'il y a des arbres qui cachent sa maison. Et donc, c'est de se dire qu'au fur et à mesure, il y aura tellement de merde qui vont se superposer qu'il va réussir à voir de l'autre côté. Il y a plein de moments où on est vraiment dans du dessin de ces paysages-là qui sont hyper importants, je trouve, pour justement avoir cette idée de la solitude. C'est-à-dire qu'en voyant ces décors, d'un seul coup, c'est du silence aussi qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Comment est-ce que tu as travaillé ces scènes-là et en quoi est-ce qu'elles étaient importantes pour toi pour donner encore plus de corps, finalement, à cet univers ? C'est vrai que dès le début, c'était hyper important pour nous de le situer dans ces décors-là. Après, j'ai vraiment grandi dans ces lieux-là, même si c'est fictif, mais bon, au final,
L'un de mes frères l'a lu et il me disait « Ah bah tiens, ça c'est tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Donc bon, et même les montagnes de déchets, là, comme ça, les décharges sauvages, bah, c'est... quand j'étais enfant, voilà, il y en a toujours pas mal d'ailleurs. Au bout d'un champ ou même dans un bois, il y a des gens qui jettent absolument tout ce qu'ils veulent et... Bon, au final, à la base, c'était pas vrai. Enfin, ça a pris de l'importance au fil de l'histoire. On n'avait pas tellement pensé à la décharge, mais finalement, on a trouvé ça intéressant au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a des lieux qui ont un peu disparu. Ouais. Il y en a d'autres qui ont apparu. Voilà. Et dans celui-là, et en fait, je trouve que c'est un lieu qui symbolise bien, à la fois vraiment ce qu'il y a de beau et de moche à la campagne ou dans les zones périurbaines ou. Et toute l'histoire, elle se base un peu là-dessus, quoi, sur des lieux qui sont à la fois beaux et moches, quoi. Voilà. Et il y a certains paysages où on pourrait avoir l'impression d'être dans un carnet de croquis. Et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attitude des personnages et le côté extrêmement vivant, ce qui n'est pas une chose facile à faire en bande dessinée. Il y a beaucoup de bandes dessinées qu'on lit et où on a l'impression d'avoir les personnages figés dans une posture. Souvent, les autrices et les auteurs qui réussissent à rendre ces personnages extrêmement vivants, c'est des auteurs et des autrices qui dessinent beaucoup en observant les gens, justement, pas en regardant des photos figées, mais en dessinant des gens dans la rue ou en tout cas en mouvement. Est-ce que c'est une de tes pratiques, le carnet de croquis, quelle pratique est-ce que tu as du dessin au-delà de la bande dessinée? Oui, c'est une. J'adore. C'est une des choses que je préfère faire, de faire des croquis à l'extérieur. Et après, en fait, il y a toujours des périodes avec et des périodes sans. Mais là, je me suis vraiment remis ces dernières années et un peu justement en faisant cette bande dessinée là. Et surtout en me concentrant sur les attitudes des gens, comment on se tient debout, comment on attend le bus, comment on fait tout un tas de choses. Et après, ça peut m'arriver de m'en resservir, ça peut m'arriver moi-même de prendre la pause, ça peut, voilà. Mais ouais, je trouve ça assez important, en tout cas dans ma pratique, de revenir au réel de temps en temps. Voilà. Et aussi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que de toute façon, ton dessin... vu que c'est des endroits que t'as, dans lesquels tu as vécu et que tu as un rapport particulier avec la nature, j'ai l'impression que tes dessins sont toujours très sensoriels. Du coup, il y a toujours cette une espèce de richesse comme ça, de la sensation dans les arbres, dans ce que tu dessines, je trouve. Merci. C'est du paysage que tu as arpenté, ça se voit. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à l'heure, Lola, en te parlant, parlait de ta prochaine bande dessinée. Est-ce que, donc la réponse est oui dans ton cas, je l'imagine, le fait d'avoir fait cette première bande dessinée, ça vous a fait vous dire que c'était vraiment une façon de raconter des histoires que vous aviez envie d'explorer. Lola, tu nous parleras peut-être des courts-métrages que tu réalises. Mais voilà, est-ce que, Yann, tu disais que c'était une chose dont tu avais toujours rêvé, que tu avais toujours eu envie de faire, ça t'a conforté dans cette idée qu'on pouvait raconter tellement de choses par le dessin et qu'en tout cas c'était une façon de raconter qui te correspondait. Et Lola, même question après, est-ce que c'est une chose que tu as envie de poursuivre, l'écriture de bande dessinée? Alors, j'ai toujours su que ça me plairait. Et par contre, ce que j'ai découvert, c'est mon intérêt pour la mise en scène. Tout un tas de questions de mise en scène auxquelles j'avais pas l'occasion de réfléchir dans une pratique de dessinateur ou d'illustrateur. C'était le cadre vraiment parfait pour me les poser et c'est des questions que je trouve absolument passionnantes. Voilà. Non, tu peux dire non. La question, il fallait répondre par oui ou pardon, j'allais même pas répondre. Non, mais est-ce que justement, toi qui racontes des histoires d'autres façons en fait que par la bande dessinée, qu'est-ce qui te plaît dedans? S'il y a des choses qui t'ont plu en le faisant, et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de poursuivre? Je pense que j'ai du mal à fractionner. C'était compliqué parce que j'ai des désirs de mise en scène et de réalisation que je commence à faire, mettre en œuvre. Et du coup, c'est vrai que c'était...
bah, par exemple, le métier de scénariste, je sens que c'est pas suffisant, quoi. J'ai besoin d'avoir une vision plus globale et de rentrer aussi dans la mise en scène et dans... Et c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, d'être scénariste, enfin co-scénariste de BD, c'est un peu comme si le chef opérateur, c'était le dessinateur. Et aussi réalisateur, chef opérateur. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de trouver sa place par rapport à la mise en scène. Donc, la réponse est un jour peut-être. Après, j'aime aussi beaucoup... Enfin, j'ai envie de continuer ma pratique de réalisatrice, mais j'aime, ça c'est un truc que j'aime depuis longtemps, c'est collaborer avec des gens et découvrir, une écriture différente au contact de l'autre et me surprendre et aussi des styles différents, des univers différents. Et ça, j'ai encore envie de le développer, donc pourquoi pas sur une autre BD avec quelqu'un d'autre. Et Yann, est-ce que il est trop tôt pour nous en dire un tout petit peu plus sur le projet sur lequel tu travailles ? Non, ce sera dans la même collection, Les Ondes Marcinelles chez Dupuis, et ce sera un thriller. Alors idéalement, ce sera plus court, voilà. Et, que tu fais tout seul ? Que je fais tout seul, ouais. Du coup, et j'ai plus ou moins fini le storyboard et du coup je vais pouvoir me mettre bientôt au dessin, quoi. Et c'est en noir et blanc ou pas? Et c'est en noir et blanc, il y aura sans doute une couleur quand même en plus, voilà. Et peut-être parce que c'est une chose dont on se rend pas forcément compte quand on n'a pas l'habitude d'entendre des autrices et des auteurs de bande dessinée en parler, mais la bande dessinée c'est un travail long sur un projet comme l'ami, on a dit 250 pages, combien de temps, est-ce que peut-être c'est peut-être long de dire vous avez travaillé puisqu'il y a eu pas mal d'échanges avant que le projet se concrétise, mais disons à partir du moment où tu as vraiment commencé à faire un découpage, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Je dirais plus d'un an, une bonne année, quoi, à partir du moment où il y avait le storyboard et tout ça, ouais. Mais pareil, parce qu'il y a eu des... finalement le storyboard on l'a fait en cours de route, on a commencé sans. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait un peu n'importe comment, ouais. Et donc aujourd'hui maintenant tu fais un storyboard complet. Ouais, voilà, j'essaie de d'être méthodique. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Lola ou Yann? Des classiques. J'ai relu Domu, je crois, de Otomo, qui est vraiment génial. D'ailleurs, qui se trouve principalement en bibliothèque parce qu'il est introuvable autrement. Et je crois que j'avais lu Monster de Urasawa. Je crois. Et j'en ai lu d'autres. Mais là, tout de suite, j'ai un trou, mais j'en ai vraiment lu pas mal. Mais plutôt, voilà, des classiques des années 90-2000. Ah, et aussi, il y a Tatsumi, que j'aime vraiment beaucoup. Et que, lui, c'est plus des années 70-80, et auquel j'ai beaucoup pensé pendant que je dessinais à la BD. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On n'en a pas parlé ensemble, mais tout d'un coup, j'ai une idée. Non, tu sais, on avait beaucoup parlé de Burning. Ouais, qu'on avait vu au moment, je pense, où on commençait peut-être. Ouais, et c'était... je repense à ce film parce qu'il y a quand même... Il y a une espèce d'obsession amoureuse. Qu'on avait tous les deux vachement aimé, ouais. Et une espèce de lenteur aussi, un temps qui est super étiré. Puis c'est vraiment un voyeur. Mais c'est pas forcément gênant la manière dont il est voyeur. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait pas forcément gêné. On était vraiment. Il y a beaucoup de mystère aussi. Il y a beaucoup d'empathie pour ce personnage qui est un peu.
on ne sait pas trop comment le prendre et en même temps on le suit, quoi, on accepte de le suivre. Donc je pense qu'il y avait ce film. Je pense qu'on avait parlé de l'enfance nue aussi, même si c'est pas le même âge. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Mais ouais, c'est. Bah de Piala et précisément de ce film-là parce que c'est un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas parce que j'ai l'impression qu'on a charrié tellement de références et de et dès qu'on voyait quelque chose, on s'en parlait. Mais moi, je sais que j'avais un désir à la base, mais qui s'est pas réalisé. C'était mon film préféré quand j'étais petite, c'était Les Goonies. Donc il y avait cette bande de et puis je m'identifiais vraiment beaucoup au personnage principal, Mickey. Et quand on a construit les personnages de la bande au début, enfin je t'avais pas trop dit, mais ouais, j'avoue que je me souviens pas qu'on ait tellement parlé des Goonies. Mais après, en fait, une bande, c'est quand même vachement compliqué à mettre en scène, je trouve. Enfin, surtout en bande dessinée, presque encore plus qu'au cinéma, où il y a un cadre qui est au moins fixe, qui bouge pas tout le temps. Et dans tous les cas, c'est difficile, je trouve, d'écrire des personnages qui soient vraiment distincts. Quand on a plus de 3-4, quoi. Et puis 250 pages avec deux, voilà, sinon... Voilà, c'est ça. Enfin, on y sera encore. Non, après, il faut que chacun existe et faut. Et j'imagine qu'il y a forcément un choix qui s'opère et avec un ou deux personnages qu'on suit davantage, mais qu'il peut y avoir parfois une frustration, oui, de se dire, bah, en fait, on est obligé d'en abandonner certains au profit d'autres parce ouais, que. Totalement, ouais. Puis après, ça se mélangeait aussi avec des références. Tout ça que je sais plus trop parce que c'est comme un flux comme ça, mais des histoires de ton adolescence. De mon adolescence, je sais que parfois je parlais de l'adolescence de mon père, le coup du feu dans le tiroir, c'est un truc que mon père m'avait raconté sur son adolescence. Ça, c'est pas dans la BD. Ah, c'est plus ? Non. Si, au début ? Non, non. Ah merde, pardon. Ça a été coupé. Ah, il si, y a un peu de feu, mais. Mais ouais, si, il y a du feu. Oui, ouais, si, feu, si. Merci. Puisqu'elle lui dit, tu vas pas foutre le feu à la maison. Ah, ouais, c'est vrai. Non, je veux dire, c'est une espèce de collection comme ça de souvenirs. Imaginaire, créé, rapporté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Une dernière question. Donc là, c'est votre première BD. Je me demandais quel conseil vous donneriez finalement des autrices et des auteurs qui, pareil, tout comme vous, ont un projet de BD et qui ne sauraient pas par où commencer ? Peut-être une référence bibliographique ou plusieurs ? Je recommanderais de faire un storyboard et de s'y tenir. Moi, je recommanderais de faire un atelier avec Yann Lebec à BPI. Faire lire. Ouais, c'est vrai que le faire lire, ouais, c'est, on l'a pas assez fait, mais ouais. Après, je me souviens qu'on faisait... mais ça, c'est parce qu'on était deux. Enfin, je sais pas si tu fais ça tout seul. Peut-être que tu le fais. Mais on jouait parfois des scènes. Pour savoir ce qui allait se passer, pour trouver... En fait, on mimait dans un espace comme un petit impro théâtral, quoi, pour savoir quel déplacement était logique et quel mouvement. Bah, c'est surtout pour les scènes de bagarre. On s'est beaucoup tapé. Mais du coup, c'est pas mal, je trouve, de mettre en espace. Mais un peu comme... Ça se rapproche du cinéma, quoi. Tu le fais encore tout seul ou pas ? Je me bagarre pas tout seul, non. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toi.